Добро пожаловать в мой канал. La soirée en bref Maeva Cook, Miss Nord-Pas-de-Calais 2017, a été élue Miss France 2018. Elle succède à Alicia Hailly, Miss Guyane puis Miss France 2017. C'est la troisième fois en quatre élections que le titre revient à Miss Nord-Pas-de-Calais, après qu'Émissaire 2015 et Iris Mittenaire 2016, Miss Corse et première Dauphine, suivie par Miss Île-de-France, Miss Champagne-Urdaine 3e Dauphine, et Miss Réunion 4e Dauphine. Au cours de la soirée, les 30 candidates ont rendu un émouvant hommage à Johnny Hallyday, décédé à 74 ans au début du mois. Elles ont aussi diffusé à plusieurs reprises un message de lutte contre la violence faite aux femmes, quelques semaines après l'affaire Harvey Weinstein. Les nombreuses accusations visant cet ex-producteur hollywoodien ont libéré des milliers de témoignages de femmes victimes de violences sexuelles à travers le monde, dans tous les milieux. Revivez la 88e cérémonie Miss France, à Châteauroux minuit 15. Maeva Cook, Miss Nord-Pas-de-Calais est élue Miss France 2018. Maeva Cook arbore fièrement la couronne de Miss France 2018, que lui laisse la Guyanaise Alicia Hailly, Miss France 2017. Photo AFP. Le titre était déjà revenu à Miss Nord-Pas-de-Calais en 2015 Camille Isser et 2016 Iris Mittenaire, élue Miss Univers 2017 par la suite. Par conséquent, Miss Corse est première Dauphine, minuit 14 Miss Île-de-France est deuxième Dauphine, minuit 13 Miss Champagne-Urdaine est troisième Dauphine, minuit 12 Miss Réunion est quatrième Dauphine, minuit 5 les Miss répondent maintenant chacune à une question des téléspectateurs. Le dénouement de la soirée est proche, 23h25, c'est la dernière ligne droite, il ne reste plus que 5 candidates en lice et c'est désormais le public, seul, qui désigne Miss France 2018. La gagnante sera connue dans une demi-heure, au terme d'une soirée émouvante mais éprouvante pour les 30 candidates. Les 5 finalistes Miss Île-de-France, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Réunion, Miss Champagne-Urdaine et Miss Corse. 23h22, un second message est diffusé pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais cette seconde vidéo s'adresse aux messieurs. Les candidates utilisent le hashtag « Les Miss Mobilisent ». 23h20, dans quelques minutes, il ne restera plus que les 5 dernières finalistes, choisies à parité par le jury et par les votes des téléspectateurs. 23h16, désormais le jury et le public, à égalité, qui vont choisir les 5 finalistes. 22h52, Miss Rhône-Alpes a oublié la fin de son décès. Mais reste en lice avec 11 autres finalistes pour la couronne de Miss France 2018. Les 12 finalistes après un grand oral, un jury qui a suivi les 30 Miss, séparés en 3 groupes de 10, pendant un mois a sélectionné les 12 finalistes, qui sont dans le groupe Un Fête Foraine. 6 Miss sont sélectionnées: Miss Languedoc-Roussillon, Miss Martinique, Miss Provence, Miss Limousin, Miss Île-de-France et Miss Corse. Dans le groupe de 14 juillet, 3 Miss sont sélectionnées: Miss Aquitaine, Miss Réunion et Miss Champagne-Urdaine. Dans le groupe 3 Fêtes de la Musique, 3 Miss seront Miss Rhône-Alpes, Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Guyane. 22h36, les 30 Miss défilent ensemble une dernière fois, mais il n'en restera bientôt plus que 12. Le jury s'est retiré pour délibérer. 22h35, pour le moment, c'est la séquence émotion de la soirée, avec une chorégraphie sur « Je te promets » de Johnny Hallyday, suivie d'une longue standing ovation. AFP. 22h24, après cette deuxième coupure publicitaire, il n'en restera que 12-18 Miss seront éliminées de la compétition. Plus tard dans la soirée, 5 finalistes s'affronteront. 22h12, les Miss se mobilisent et envoient un message contre la violence faite aux femmes. Petite maladresse de Miss Univers Iris Mittenaire qui lance: une femme est tuée tous les 3 jours sous les coups de son mari ou ex-mari. Nous devons soutenir cela. Contre les violences faites aux femmes. Thème de la soirée: la lutte contre les violences faites aux femmes. 2 mois après le déclenchement de l'affaire Harvey Weinstein, la cérémonie sera l'occasion de dénoncer les violences faites aux femmes, a annoncé Sylvie Tellier, Miss France 2002, directrice générale de la société Miss France, filiale du groupe de production audiovisuelle Endemol. L'annonce n'a pas convaincu les associations féministes qui voient dans la cérémonie une célébration de la femme objet. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, y a cependant vu une occasion de sensibiliser un grand nombre de familles assises devant leur téléviseur. Les Miss peuvent envoyer un message à tous les Français, a-t-elle déclaré ce samedi.
22h05, Miss France 2017 fait son entrée sur le plateau et sous les applaudissements du public, elle va rendre sa couronne ce soir. Tout droit sorti d'un conte de fées, notre Miss France revient sur son année de règne et couronne Miss France 2018 @AliciaElizeOfPic.twitter.comics/quasi-dldp, Miss France @MissFrance 16 décembre 2017. Elle appelle la future Miss France à ne pas oublier de sourire en toutes circonstances et toujours se montrer reconnaissante, parmi ses conseils à la prochaine titulaire de la couronne. AFP 21h50. Après de très belles chorégraphies, c'est bientôt l'heure du premier défilé de la soirée, le défilé en maillot de bain des 30 candidates. 21h40, un hommage à Johnny Hallyday, le chanteur mort à 74 ans il y a quelques jours, doit être rendu par les candidates ce soir, sur la chanson Je te promets. 21h20, le coprésident de la soirée Jean-Paul Gaultier est à l'honneur avec ce premier tableau, tout en bleu, blanc et rouge, façon marinière AFP. 21h12, l'ouverture de la soirée, avec l'invité d'honneur Ed Sheeran, et haute en couleur AFP. 20h25, la soirée doit départager des jeunes femmes venues de 22 régions métropolitaines et de 8 territoires ou départements d'outre-mer. La nouvelle reine de beauté, désignée par le vote des téléspectateurs, succédera à Alicia Hailey, qui avait été l'an dernier la première Miss Guyane à décrocher la couronne. Infographie: d'où viennent les Miss France? Deux présidents pour un seul jury, Ed Sheeran invité d'honneur, l'élection la 88e organisée à Châteauroux et co-présidée par le couturier Jean-Paul Gaultier. Iris Mittener, Miss France 2016, sacrée Miss Univers en 2017, les chanteuses Nolwenn Leroy et Laurie Pesté, l'humoriste Anne Roumanoff, le rugbyman Vincent Clerc et le comédien espagnol Agustín Galeana compteront parmi les jurés. Le chanteur britannique Ed Sheeran sera l'invité d'honneur de la cérémonie. À toutes les candidates de Miss France 2018 @EdSheeran, un message pour vous amoureux à tout à l'heure sur @TF1, couronne pic.twitter.com U3S5TC0B3, Miss France @MissFrance 16 décembre 2017 20h20. Miss France, une institution depuis 1920. Qui sont-elles? Comment s'appellent-elles? Et combien mesurent-elles? Les réponses en chiffres.